Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine sur Hearthstone, qui est donc en première ligne. Cette fois, on ne va pas. On va dépendre si de nos créatures, pas pour qu'elles nous protègent, vu que c'est nous qui allons les protéger cette semaine, car ce bras de fer donne à notre héros le statut provocation. Du coup, les créatures adverses seront forcées d'attaquer notre héros. Donc, pour ça, on n'a pas que 30 HP, mais nous avons 30 points de vie, du coup, ainsi que 10 points d'armure. Donc, on commence à 40 points de vie pour pas que le bras de fer se finisse trop vite. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un deck un peu cancer, un mix du chaman qu'on voit assez souvent sur Hearthstone, donc à base de gnomes lépreux, d'éclairs, explosion de lave, golem totémique et tout. Un petit Sir Finlay Muggleton aussi, histoire de pouvoir avoir le pouvoir héroïque du démoniste ou du chasseur, hein, de préférence. Mais aussi de quelques mechas, donc la micro-machine qui va très bien avec ce bras de fer, vu qu'elle est un. Enfin, elle est entre guillemets intouchable par les attaques des autres monstres, mais elle est touchable via sort et tout. Du coup, son bonus est très important vu qu'il pourra stacker assez facilement dans ce bras de fer. On a mis deux furies des vents pour que la micro-machine ou certaines grosses créatures tapent deux fois. La masse de puissance pour booster les mechas. Donc en mecha, on a le Zapomatic, la micro-machine. Voilà, après on a beaucoup de dégâts et on a un maléfice, un marteau du destin et un saccageur gangrené, donc pour essayer de finir l'adversaire le plus rapidement possible. Donc voilà, donc c'est parti pour le bras de fer. On va essayer de tuer l'adversaire. On a un deck assez rapide et fait pour ça. On va faire ce qu'on peut. On a mis un Orion de Terre dans la liste aussi pour les serviteurs qui peuvent être assez embêtants, par exemple les armures inanimées des mages, qui fait que le héros ne prend qu'un dégât à la fois. Donc là on est contre Thrall, donc on imagine qu'il a une decklist assez semblable à base d'agressivité assez intensive. Donc là on a une main vraiment mauvaise, masse de puissance, arme croc-croc, crépitement. Nous ce qu'on veut c'est des créatures tour 1, tour 2. Hop, donc voilà, ça c'est déjà mieux. Donc là, quel tour 1 on va jouer en premier? Bonne question. Je pense dans ce bras de fer, ça change rien en fait parce qu'ils vont difficilement mourir. Je pense quand même qu'on va jouer le gnome lépreux en premier, au cas où s'il est quelque chose qui puisse le tuer, au moins ça fera assez vite 2 points de dégâts. S. Golem totémique, bien, jongleur. Du coup, là, on va golem totémique. Pourquoi on joue le golem totémique et pas le Zapomatic tournoyant? Parce qu'on vient de top deck la Furie des Vents. Du coup, on préfère avoir une 3-4 le prochain tour Furie des Vents plutôt qu'une 3-4, une 3-2 déjà Furie des Vents. On gagne 2 points de vie, donc, enfin, oui, 2 points de vie sur la créature. Du coup, c'est pas mal. Même si on prend un point de surcharge. Là, du coup, on comptait Furie des Vents à la base, mais on va plutôt Gnome mécanique éclair. Parce que Jongleur de couteau, c'est vraiment très embêtant comme carte. Il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez, je peux attaquer Face. Donc je lui mets 5 Face, enfin, dans l'armure, du coup. Mais je peux aussi attaquer le totem Griffe de Pierre. Vu qu'il a provocation, mais ça m'avance à rien pour le moment. Du coup, là, on va juste taper face. Donc là, on va mettre la furie des vents sur la 3-4. Et on va taper face. Hein. Donc le but de ce deck, ça va être de tuer l'adversaire, comme on a dit, le plus rapidement possible. Si j'ai compris le deck de mon adversaire, c'est un deck furie des vents qui se base un peu comme le mien avec les armes croc-croc, des sergents grossiers, des totems langues de feu. Bien, par le vent sur un totem à 0 d'attaque, ça n'a pas trop de sens. Sauf s'il a un boost d'attaque en main. Donc typiquement une furie sanguinaire qui pourrait lui donner le détal le prochain tour. Du coup pour ça on va tuer la 0-2 pour éviter de mourir sur la furie sanguinaire. Et on va aller face avec le reste, on n'a pas le choix de toute façon vu qu'il a provocation. Et on va poser micro-machine ainsi que le golem totémique. Et normalement on a l'épée
On n'a pas encore l'état le prochain tour. On aura 6, 6, 9, 12, 13, 14. Si on a l'état le prochain tour, on ne meurt pas ce tour-ci. Je vois pas trop comment on pourrait mourir actuellement. Et s'il ne nous cligne aucune créature. Alors, comment ça va se passer? Ami chaman, donc voilà, donc totem langue de feu. Du coup, on a bien fait de tuer le totem tout à l'heure. Là, il nous met 10, il nous met 16, il nous met 19. Ouais, c'est ça, il nous met 19. Du coup, normalement, on a gagné. Bah, il est en train de compter. Il voit que j'ai plus de 15 de dégâts et que lui a plus de 15 points de vie. Du coup, il va sûrement concéder. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Peu de temps. Alors. Oui, tu le sais. Ah! Quoique. Du coup, 16, 16 et 6, oh, 25. Bon, du coup, on finit à 3 PV. Heureusement qu'il n'avait pas un point de mana de plus parce que sur double croc-croc, nous étions morts. Hop. Bon, du coup, on top deck marteau du destin. On va le mettre et on le finira à l'arme s'il ne concède pas avant. Et voilà. Et du coup, il concède de pas de chance. Et c'est la victoire. Chaman, la victoire. On en fait une autre? Et du coup, on enchaîne directement à la recherche d'un nouvel adversaire, vu que cette partie a été assez rapide, hein. Même si c'est le but du deck, il faut quand même un petit peu de contenu, hein. Donc on va essayer de gagner contre peut-être une autre classe, un mage, un autre match-up, ça serait intéressant. Peut-être un truc plus contrôle, à voir. Un mage, voilà, donc on en parlait. Peut-être un mage avec l'armure animée, Je hein. l'avais cherché. Dans ce bras de fer est vraiment fort. Hop. Donc là, on a vraiment une bonne main. On va juste enlever le totem langue de feu. On va essayer de choper un Sirfinleimragalton. J'arrive pas bien à le prononcer. Ou alors un petit Puri des vents pour la micro-machine aussi qui me ferait bien plaisir. Là, on espère qu'il a pas d'éclair de givre. Ça sera assez embêtant parce que malgré le fait que ce soit moi qui ai provocation. Il peut quand même éclair de givre, enfin il peut quand même lancer des sorts sur mes créatures. Évidemment, hop. Du coup là on va gnome lépreux et sergent grossier sur la micro-machine. Hop, on commence déjà à lui faire des dégâts. Donc 5 points de dégâts dans la tête. Et lui il a uniquement un savant fou. Donc pour l'instant on sait pas encore ce que c'est comme genre de mage. Très bien. Bah maintenant on sait ce que c'est comme genre de mage. Du coup, Atis Flamme, on va juste explosion de lave, l'Atis Flamme, et taper face. On peut pas se permettre de laisser un Atis Flamme en vie, sachant que nos créatures ont toutes 1 ou 2 PV. L'Atis Flamme peut faire un gros carnage sur projectile des arcanes, ou sur éclair de givre, enfin sur un sort. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le tuer. Donc l'armure animée, donc voilà, on en parlait. Donc la carte qui fait que l'adversaire ne peut pas subir plus de 1 point de dégâts à la fois. Donc on va devoir la tuer et on ne peut pas la tuer. Du coup, on va juste pouvoir héroïque et taper face. On va faire 3 points de dégâts. C'est assez malheureux. On ne pouvait pas le tuer avec l'explosion de lave vu qu'on était en surcharge. De 2, du coup on avait que 2 de mana, l'explosion de lave en coup de 3. Et on pourra la tuer le prochain tour. On espère qu'il n'a pas de trucs trop embêtants. Par exemple, une Nova de Givre ou quelque chose comme ça. Nova de Givre qui coûte 3 de mana, du coup il peut encore la jouer sur ce tour. Retournez au Oh, travail. sous-chef, très bien. Du coup là il me tape à 8. Je passe à 28. Donc le sous-chef qui booste une créature de 2 d'attaque en lui infligeant 1 point de dégâts. Donc là, il a posé un secret, c'est peut-être un contre-sort. Du coup, on va d'abord taper avec le totem 1-1 pour essayer les secrets vaporisation et barrière de glace. Donc ce n'en est pas. On va lancer un éclair dans la tête pour essayer le contre-sort. Ce n'en est pas un non plus. Et du coup, on peut explosion de lave sans crainte l'armure animée. Et on peut taper face. À 13 points de dégâts. Du coup, la micro-machine, comme on disait, qui augmente, augmente, augmente au fur et à mesure des tours hein, et qui fait énormément de points de dégâts. Là, ma micro-machine a dû m'apporter environ une
moins 18 points de dégâts, je dirais. Et là, du coup, l'abjurateur éclairien qui vient de lui filer le javelot de glace, donc il frise la micro-machine. Bon, tant pis. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est sûrement un bloc de glace. Enfin, je pense. Du coup, je vais essayer de le faire. Enfin, je vais l'activer. Hop. Le but, quand on joue contre le secret bloc de glace, c'est de laisser l'adversaire à 1 PV et d'activer son bloc de glace. Comme ça, le prochain tour, on peut le tuer avec tout et n'importe quoi, vu qu'il aura plus qu'un PV, et ce n'était pas un bloc de glace. Du coup, nous ne saurons pas le fin mot de l'histoire. J'imagine que c'était une entité miroir, en fin de compte, vu que l'entité miroir, c'est le secret classique de la petite flamme, entité miroir, effigie et contre-sort. On avait déjà testé les deux autres. Donc voilà, donc là, le match-up, assez facile, hein. On a juste eu besoin d'utiliser deux sorts pour gérer les deux créatures dangereuses qu'il avait dans la main. Donc voilà, un deck chaman vraiment pas très cher, hein, en niveau poussière. Il y a juste deux épis qu'on peut remplacer facilement. Sinon, c'est que des cartes communes et des rares. Et voilà, donc des cartes qu'on trouve assez facilement, hein. Vous aurez la decklist juste en dessous. Et avec tous les liens du coup pour Ivasound, le Facebook, le Twitter, YouTube et encore bien plus, hein. Il vous suffit que d'un clic pour nous suivre. Et voilà, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine. Et je vous dis à la prochaine du coup pour le nouveau bras de fer.